Le dossier des sanctions américaines sur la banque française BNP Paribas sera évoqué au cours du dîner qui réunira jeudi soir les présidents François Hollande et Barack Obama à Paris à la veille des commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Le chef de la diplomatie française Laurent Fabius a estimé mardi que le chiffre de 10 milliards de dollars d'amende avancé contre BNP Paribas accusé d'avoir contourné un embargo américain contre Cuba, l'Iran et le Soudan n'était pas raisonnable. Laurent Fabius n'a pas hésité à mettre dans la balance les négociations en cours sur l'accord de Libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce partenariat commercial ne peut être établi que sur une base de réciprocité. Or là, vous auriez l'exemple d'une décision injuste et unilatérale. Donc, c'est un sérieux et grave problème à souligner, Laurent Fabius.